Bim, salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur Plantes versus Zombies Garden of Earth. Alors, on est en gazon, je ne sais plus quoi, et on va prendre le personnage d'abord, Clint Eastwood. Clint Eastwood. On va voir quelle est la différence entre lui et les autres personnages. Alors. Apparemment, la partie vient de commencer, mais mon personnage n'apparaît pas. S'il vous plaît. Non, voilà. Petit bug. Ah, le voilà. Alors, le tir. Donc, c'est des tirs glacés. Clint Eastwood a froid, apparemment. Hop. Oh, je me suis fait manger là. Il m'a l'air assez intéressant, notre petit Clint Eastwood. Encore faudrait-il que j'arrive à jouer avec lui assez longtemps. Non, mais je me fais. Ça c'est bien ça. Il est assez rapide. Et je me fais tuer. Et je me fais tuer. Et je me fais tuer. Donc notre petit Clint Eastwood. J'ai du mal. Hein. Notre petit Clint Eastwood est assez intéressant à jouer. Me demandez pas pourquoi ils m'ont appelé Clint Eastwood, j'en sais rien du tout. Mais il se fait tuer très rapidement quand même. Hein. Quand j'ai les roses, j'arrive pas à les contrôler, mais quand c'est les autres qui les ont, ils arrivent très bien à me tuer. Hein. Il est quand même assez lent. Il est assez lent à réagir quand même. Hein. Mon petit personnage, Monsieur Clint Eastwood. Ça. Monsieur Clint Eastwood. Monsieur Clint Eastwood. Aïe 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 aïe. On est en train de se faire manger là. Mais ce qui est bien avec ça explose, mais bon, sans plus, ok. Petite déco assez intéressante. Donc là, on a changé. On a avancé dans la map. Par contre, si tu voudrais bien avancer un peu plus vite, ça m'arrangerait. Parce que t'es pas assez rapide pour moi, là. Et je me fais tuer par derrière, par Monsieur Pistopoa. Avec son canon toxique. J'essaie de rester calme. Hein. Il m'a l'air assez sympa, mais j'arrive pas à voir ses dégâts qu'il fait parce que tellement que c'est rapide. Pardon. Par contre, cette fois-ci, je me laisserai pas manger, t'es gentil. Oh là, je suis tombé. Je suis tombé où? Ah, il y a des endroits où on peut mourir ici. D'accord, je ne savais pas du tout. Super. Faire attention, on marche alors. Hein. Il n'y a personne là. Donc là, son petit canon. Et je me suis fait tuer direct. Ok. C'est soit j'ai vraiment pas beaucoup de vie, soit j'ai un vrai problème.
Parce qu'il commence avec 124, 125 points de vie, donc logiquement, je devrais réussir à faire du dégât avec ça. Mais tais-toi donc. Tu vois pas que je suis en train d'essayer de faire des kills là? Aïe 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 aïe. Donc le peu qui me touche, il me tue quand même, hein, les autres. Ça va être compliqué de faire des kills avec celui-là. Hein. Après, je sais très bien que j'ai pas mis de musique, ça sert à rien de toute façon. Hein. C'est mieux que vous m'entendiez moi. On va essayer de faire un max de dégâts avant qu'ils arrivent. Ouais, il fallait que je recharge maintenant, quoi. Parce que les mecs, ils arrivent. On va pas le faire. Il fait pas beaucoup de dégâts, hein. 16. Non! Eh, mais c'est Mordeur! C'est une calamité! Je suis tellement concentré à regarder ce qui se passe au loin que je fais pas attention à ce qui se passe juste à côté de moi. Parce que le problème c'est avec 16 tu fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Pardon. Ah là 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 là, c'est tellement chaud. Tellement chaud. J'ai essayé de me mettre à un endroit où je vais pouvoir faire des kills. Voilà. Alors, voyons voir. Faire attention qu'il n'y ait pas d'ennemis. Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Elle est beaucoup plus rapide que moi. Elle saute et tout, elle bouge. Non, mais c'est une blague! C'est une blague! Comment je peux battre ça? T'essayes de tirer, elle fait ça, non mais c'est une blague. Je vais devenir fou, hein. Non, 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 non. Le pire, c'est se faire bloquer par la déco. Aïe 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 aïe. Donc là, c'est pas la peine de se mettre ici. Pousse-toi. Pousse-toi, tu vas te faire tuer. Il y a du monde en bas. Seulement un coup. C'est tellement chaud. Ah oui, mais elle est juste à côté de moi. Comment veux-tu que j'arrive à lui faire du dégât? Je lui fais 12 de dégâts avec mon truc. Cette petite découverte de gazon, elle est bien, mais elle est longue, hein. J'espère quand même que ça vous plaira par rapport aux autres découvertes que j'ai pu vous faire. Parce que c'est vrai que les autres c'est assez rapide, mais là en découverte de gazon c'est beaucoup plus long. Par contre il tire pas assez rapidement je trouve. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Vas-y, recharge. Il y a Rose qui arrive par là-haut. Ah non, 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 qui me tue, qui me tue? J'ai réussi à me faire tuer par quelqu'un d'un je ne sais où. M'a glacé en tout cas. Ah ouais, mais le truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les personnages maintenant, quel que soit le personnage, hein, il y a un recul. C'est-à-dire que quand on veut tirer,
Et ben notre personnage, son âme monte. Non, 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 non! Donc quand j'essaie d'expliquer quelque chose, ça ne va pas parce que j'ai pas le temps. Ça continue, je vais faire vous une présentation de personnage, mais en. Au fond du jardin, au moins j'aurai largement le temps de vous expliquer les changements d'un personnage à l'autre. C'est tellement chaud. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de Monsieur Clint Eastwood, ça fait quand même vachement bizarre de dire ça, de notre petit personnage, parce que Clint Eastwood, c'est quand même chelou, je vous l'avouerai, vous aura fait plaisir. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une autre découverte de personnage. On garde juste avant de nous quitter mes stats qui sont nuls. Je me suis fait éliminer deux fois, j'ai tué personne et j'ai eu 14 KO. Voilà! Donc, pour ma part, je vous retrouve bientôt. Salut!